avait pu le dire, hein, on le savait, mais c'était une belle partie dans le sens où il y avait beaucoup de qualité chez nous, mais également chez les Angevins. Ça fait un vrai match de coupe. En plus, c'est vrai que le fait de jouer sur synthétique, ça renforce un peu ce côté foufou dans un match. Énormément d'intensité et surtout, ce que j'avais apprécié, c'est l'état d'esprit collectif, l'intensité que les gars avaient pu mettre et surtout la concentration. Et d'ailleurs, il a fallu aller jusqu'au pénalty pour justement rester concentré malgré le fait qu'on loupe ce premier pénalty. Et du coup, on a su passer l'obstacle qui était vraiment une perf de sortir le SCO. À Concarneau, on a joué à l'extérieur face à une belle équipe. Une équipe bretonne toujours difficile à jouer, toujours dans l'engagement. Sur un terrain pas facile, petit, gras, donc où il faut faire appel à des valeurs, avoir le supplément d'âme pour remporter ces matchs, et ce qu'on avait plutôt bien fait. Contre Rennes, j'ai beaucoup aimé notre première mi-temps. Après, on a senti sur cette deuxième mi-temps, c'est paradoxal, où on était en supériorité numérique en étant à 11 contre 9, et finalement c'est là qu'on est entre deux, on savait pas trop si on devait attaquer ou au contraire plutôt assurer le score ou en tout cas jouer, faire plus de passes, etc. Ce qui a fait que du coup les gars n'étaient plus dans la bonne intensité, plus dans le bon mouvement, et on sait finalement, on a eu une fin de match où on a tremblé un peu. Déjà on sait que en 19 ans ou encore plus en 18 ans, tous les matchs sont compliqués, on le voit bien, chaque match a son contexte. Là, ça va être différent. Ça va être différent. Évreux, c'est un club qui travaille vraiment très bien. Ils sortent beaucoup de joueurs. Les échos qu'on peut avoir, c'est une équipe qui joue. C'est un très bon coach. On sait que ça va être compliqué là-bas. Dans quel état sera le terrain, on ne le sait pas, au vu des intempéries. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'on va rencontrer une équipe qui aura beaucoup de niaques. Qui a envie de faire tomber le FC Nantes. Donc forcément, on s'attend à un match très 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 difficile. C'est maintenir cette intensité qu'on peut avoir dans les matchs, c'est maintenir cette concentration à toute épreuve et surtout montrer que même en étant dans un club professionnel, on peut avoir des valeurs, les valeurs du club, c'est-à-dire avoir un esprit d'équipe extraordinaire, ce supplément d'âme que souvent les clubs amateurs ont naturellement. Et nous, c'est vrai que par chance, il y a beaucoup de jeunes issus du club qui sont en tout cas au club depuis très longtemps. Donc, ils ont cette appartenance au club. Donc, ça va être une bonne façon de tester aussi justement nos valeurs morales. C'est vrai que trop souvent, les formateurs, on peut se cacher sur... Alors quand on perd, on va dire que mais on est dans la formation et puis après, vous voyez ce que je veux dire, le discours, il peut... La seule chose que je pense, c'est que moi, j'ai envie d'à travers ces matchs, à travers cette compétition, que les jeunes s'enrichissent émotionnellement déjà, qu'il y ait des situations différentes, etc. Plus haut on ira, mieux ce sera déjà en termes d'expérience. Et puis après, il faut aussi leur inculquer cet esprit compétiteur, puisque certes, on est dans la formation et le résultat, pas à n'importe quel prix, mais forcément qu'on doit développer ça. D'ailleurs, tous les matchs aujourd'hui, on le voit, tu gagnes 1-0, tu as une super équipe, tu perds 1-0, d'un seul coup, on remet tout en question. Donc, il faut qu'ils soient habitués aussi à cette pression du résultat, mais pas à n'importe quel prix.